Hello Bienvenue pour ce nouveau vlog culturel qui respire l'été même si nous sommes en automne et que j'ai mis peut-être un peu mille ans à faire le montage de cette vidéo. Mais euh, du coup, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur ce que j'avais fait cet été. Quand je suis allée non loin de Montpellier. Cette fois, je vais pas me focus que sur une ville, mais en fait, je vais parler de ce que j'ai pu faire dans la région et dans ses alentours. Donc, j'espère pouvoir vous transmettre un petit peu de ces vacances d'été à travers cette vidéo. Et on va commencer par le plus obvious qui est donc Montpellier. Alors, euh, j'avais un programme qui était beaucoup trop ambitieux pour une journée dans la ville, donc j'ai pas pu euh, faire le pavillon populaire, le moco, euh, etc. que vous m'avez conseillé sur Insta, mais euh, je reviendrai à Montpellier pour faire ces choses-là parce que... Euh Vraiment, j'ai sous-estimé euh, mes visites. Du coup, on va principalement du musée Fabre que j'ai fait en long et en large et que j'ai préféré privilégier pour mes révisions. Le musée, il est installé dans le bâtiment actuel à partir de 1825, lorsqu'un certain François Xavier Fabre, qui est un artiste néoclassique, va faire don de ses œuvres à la municipalité et va exprimer sa volonté de créer un musée. Donc forcément, voilà, d'où vient le nom du musée Fabre. Donc le musée il va prendre place dans l'hôtel Massilian et par cette initiative, Fabre va motiver d'autres collectionneurs à faire des dons au musée et du coup forcément, la collection va s'agrandir. Ensuite, à partir de 1952, euh, la bibliothèque qui prenait place dans cet hôtel va euh, partir, ce qui va permettre de libérer une nouvelle aile pour ce fameux musée. En 1967, on a Madame Sabatier d'Espéran qui offre à la ville l'hôtel particulier où elle logeait avec son mari, ainsi que tout le mobilier qu'il abritait. C'est quand même un très très beau don, et du coup, cet hôtel qui a une ou deux rues du bâtiment principal du musée va servir aussi au musée. En plus de ça, on a l'ancien collège des Jésuites qui est cédé au musée, ce qui va euh, encore une fois permettre un agrandissement. L'ancien collège jésuite est beaucoup plus proche et du coup, il va avoir des travaux pour relier euh, le bâtiment principal historique avec euh, le collège des Jésuites. Le relier avec euh, l'hôtel euh, des... avec l'hôtel Sabatier, c'est évidemment un peu plus compliqué étant donné qu'il est à plusieurs rues du bâtiment historique. Voilà pour Déjà ces euh, agrandissements, mais c'est pas fini puisqu'en 2007 on a de grands travaux qui arrivent et ça va nécessiter une fermeture jusqu'en 2010. Et c'est à ce moment-là que va naître l'aile Soulage que tu dois connaître pour ces peintures euh, toutes de noir, dont l'artiste va faire le don de 20 tableaux au musée et l'hôtel Sabatier va devenir le département euh, des arts décoratifs. Pour ce qui est de la collection, elle commence à la Renaissance jusqu'aux époques plus modernes, à contemporaines, disons jusqu'en 2010 à peu près. Tu vas retrouver euh, des grands noms euh, que tu connais vraiment très certainement, et notamment l'ange déchu de Cabanel. Peut-être que lui aussi tu l'as vu passer sur les réseaux comme Pinterest, TikTok, etc. Et euh, vraiment j'étais trop contente de l'avoir vu et j'avais totalement zappé qu'il était à Fabre quand euh, je suis tombée dessus, mais... Très contente de l'avoir vu, Évidemment, je me suis plus concentrée sur la partie 19e art moderne, mais c'est vraiment un beau musée avec une collection hyper riche. Il y a pas mal d'explications assez accessibles, même si euh, j'aurais aimé plus de cartels euh, explicatifs au niveau des œuvres en elles-mêmes, mais euh, c'était plutôt cool d'avoir des des informations qui expliquaient des contextes un peu plus généraux. C'est toujours plus simple après pour replacer euh, les différentes productions. Quand j'y suis allée, niveau expo, c'était Germaine Richier, qui est une sculptrice qui a eu une rétrospective à Pompidou cette année. Évidemment, je l'ai ratée, donc j'étais très contente de pouvoir euh, la voir euh, à Fabre. Et en fait, Pompidou et Fabre se sont euh, associés pour cette expo. Et là, tu dois te demander pourquoi euh, Richier à Montpellier, donc en fait d'après les commissaires d'exposition, ça fait sens parce qu'elle a étudié dans l'école des beaux-arts de la ville, et puis accessoirement, elle est originaire de la région, et en plus de ça, les paysages et la nature de cette même région font partie de ses sources d'inspiration. Pour ce qui est de l'expo, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, surtout que je suis assez compliquée niveau sculpture. C'est un médium que j'ai vraiment du mal à appréhender. Donc là, j'ai vraiment fait une belle découverte. Dans l'expo, en plus, on voit vraiment les premiers pas de l'artiste et puis euh, la transformation de sa pratique au fur et à mesure. Ses sculptures vont s'allonger, se déformer, se transformer, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Par contre, pour le suivi de la chronologie de l'artiste, c'est un peu plus compliqué un peu moins clair et aussi j'ai remarqué qu'il y avait certains cartels qui pouvaient être très clairs mais un petit nombre qui partent quand même un petit peu dans le lyricisme et qui facilitent pas du tout euh, la compréhension euh, moi-même j'ai eu des difficultés sur un cartel précis là que j'ai en tête euh, que j'ai pas trouvé très très clair et donc voilà ça c'était les petits points négatifs mais dans l'ensemble c'est une belle expo et vraiment comme je vous disais j'ai fait vraiment une belle découverte point bonus euh, à la fin de l'exposition tu as deux vidéos. Il y en a une qui remet un peu en place la biographie et la chronologie de l'artiste. Donc, c'est pas mal quand t'as été peut-être un petit peu perdu euh, pendant l'expo. Et surtout, il y a une vidéo aussi qui explique euh, les techniques utilisées par Richier euh, pour faire ses euh, sculptures, notamment la fonte à la cire perdue. Euh, généralement, bon, euh, on n'est pas tous experts des techniques en sculpture. Donc, je trouvais ça sympa euh, qu'il y ait une mise en vidéo/slash image de ces techniques parce qu'on comprend pas forcément les différentes étapes par lesquelles passe un artiste pour faire ses sculptures, etc. Donc ça, c'était vraiment un très très bon point. Pour euh, la partie musée-fabre, euh, vous pouvez vraiment réserver la journée. Il y a beaucoup de choses à voir et j'avais totalement sous-estimé la quantité de salles et d'œuvres. Et pour la deuxième partie, qui se passe à l'hôtel Sabatier, ça se fait beaucoup plus rapidement. Au rez-de-chaussée, vous aurez quelques vitrines avec euh, des amas d'objets d'art décoratif type... Euh, vaisselle, céramique, etc. Puis dans les étages, euh, vous pouvez découvrir de beaux intérieurs reconstitués, un peu en mode period room. Moi j'adore euh, les pièces comme ça, qui sont un peu dans leur jeu et qui permettent de te rendre compte à quoi par exemple pouvait ressembler un intérieur bourgeois dans ce cas-ci, euh, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en parallèle, il y avait une exposition sur Valentine Schlegel, qui euh, est une sculptrice et céramiste, euh, formée elle aussi à l'école des beaux-arts de Montpellier, et euh, que tu connais peut-être sur ses cheminées, parce que je crois qu'elles un peu elles sont un peu populaires sur Pinterest, me semble-t-il, pour euh, les personnes qui cherchent un peu des inspis pour leur intérieur, mais euh, elle n'est pas connue que pour ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une partie vraiment euh, expo pour elle, mais dans ces fameux intérieurs bourgeois d'un autre temps quand même, ils ont euh, intégré certaines de ses œuvres, ce qui faisait un anachronisme assez euh, rigolo euh, dans ces intérieurs. Bref, euh, j'avoue que j'étais un peu plus fatiguée après avoir fait. Euh, tout fabre, euh, donc j'étais un peu moins attentive au niveau des explications, etc. Mais de ce que j'ai lu, c'était quand même euh, assez clair et ça te permettait de te rendre compte de, de la carrière de Schlegel. Et euh, au passage, très contente que euh, cette programmation mette en avant deux artistes femmes. Donc ça, c'était pour Montpellier et je sais, il n'y a qu'un musée en soi, faut vraiment que j'y retourne pour continuer mes visites. Mais maintenant, on va pouvoir passer à Egmort. Donc Egmont, elle est surtout connue pour euh, ses remparts slash fortifications et son super salin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un salin C'est aussi appelé un marais salant, peut-être que déjà ça vous parle un peu plus. Ce sont des installations dont le but est de favoriser l'extraction et la collecte du sel marin à partir de l'eau de mer. En gros, c'est le lieu de naissance de ton sel, la baleine. Voilà. Pour la petite histoire, à aigues le salin, il est là dès la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est euh, 8000 hectares, quand même, ce qui est l'équivalent de Paris-Intramuros. Et il est considéré comme le plus gros salin de Méditerranée. Mais il y a quand même un autre détail qui saute aux yeux quand on va visiter ce salin, c'est que l'eau est rose à une certaine période de l'année. Mais quand je te dis rose, c'est vraiment un rose Barbie, c'est assez impressionnant à voir. Et évidemment, pour vous expliquer le pourquoi du comment c'est rose, il faut passer par l'explication de la fabrication du sel. Donc évidemment, c'est une version simplifiée, un peu plus droite au but. Donc déjà, première étape, entre mars et août, les étangs les plus proches de la mer vont se remplir d'eau. Ensuite, l'eau va s'évaporer au fur et à mesure grâce au soleil et au vent. La partie eau douce, on va dire, de la mer va s'évaporer pour laisser place à une solution super salée. Et c'est à ce moment-là qu'une micro-algue va se développer et c'est elle qui donne cette couleur rose. Elle donne la couleur rose à l'eau, mais aussi aux crevettes qui vont la manger. Et puis, par la suite, les flamands roses, ils mangent quoi? Ils mangent les crevettes et eux aussi, à leur tour, ils vont devenir roses. Ensuite, lorsque cette solution appelée saumure est suffisamment saturée en sel, les sauniers vont démarrer l'étape de cristallisation. Après plusieurs mois, une couche de sel va se former au fond des tables salantes et c'est cette couche qui va être récoltée court en septembre pour ensuite finir sur nos tables. Voilà l'explication de euh, la fabrication du sel. Et euh, pour ce qui est de la visite, c'est un lieu qui est vraiment... Impressionnant à visiter, tu peux le faire à pied, euh, à vélo ou en petit train. Si euh, tu n'es pas en mobilité réduite, je te conseille vraiment à pied ou à vélo, parce que c'est quand même plus sympa de pouvoir euh, se balader euh, dans les salins, mais je peux comprendre que voilà, si as des enfants en bas âge ou euh, si t'as du mal à marcher ou quoi. Le petit train, ça peut être aussi une solution. Je conseille aussi euh, le dimanche puisque euh, c'est un salin qui est en activité. Ce qui fait que euh, forcément en semaine, il y a les sauniers qui travaillent et que tu euh, risques de croiser sur ta route euh, divers euh, camions et objets euh, de travail. Euh, le site est quand même bien sécurisé pour, euh, pour quand tu le visites en piéton, par exemple. Tu as ton petit gilet euh, de sécurité, etc. Et euh, tu dois suivre euh, certains, euh, un certain parcours pour ne pas te faire écrabouiller ou déranger euh, les travailleurs. Autre point sympathique, c'est que tu as un très beau point de vue sur un des camels, qui est en gros euh, le stock de sel qui a été récolté, qui te permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le salin, mais aussi euh, sur euh, le rempart d'Aigues-Mortes, parce que vraiment depuis le salin, tu vois les remparts, et c'est vraiment... Euh, super beau si, euh, tu, si vous voulez euh, voir le rose forcément il y a une période qui est quand même précise c'est entre juin et juillet si vous y allez le matin euh, comme il y a le soleil on voit pas euh, forcément très 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 bien le rose en tout début de matinée mais il me semble que quand j'ai pris les photos les plus rosées on va dire c'était vers 11h euh, 11h et quelques à peu près où là, euh, le soleil a un peu bougé et te permet de voir un peu mieux le rose. Voilà pour les petits conseils du Salin. Euh, donc, forcément, quand on va au Salin, comme je vous l'ai dit, on voit quoi On voit les remparts, donc forcément, on va rentrer dans la ville d'Aigues-Mortes, et ça va être l'heure du petit cours d'histoire. À la base, Aigues-Mortes, c'est un marécage, mais au XIIIe siècle, on a un certain Saint-Louis, ou Louis IX, qui cherche à établir une ville portuaire qui lui servirait pour le commerce, mais aussi pour ses futures croisades. C'est donc cette ville qui est choisie, puisqu'elle donne sur la Méditerranée. Petite note, il ne pouvait pas choisir Marseille, puisqu'elle ne fait pas partie du royaume à ce moment-là. Du coup, Aigues-Mortes devient l'unique port de commerce, et ce, pendant près de deux siècles hein, quand même. Évidemment, il va falloir protéger la ville, et c'est là que les fortifications arrivent. Ça va prendre 30 ans en tout pour tout construire. C'est quand même assez long. Les fortifications, elles vont comprendre la tour donjon qu'on appelle la tour de Constance, mais aussi d'autres tours. Pour ce qui est de la tour de Constance, euh, elle est quand même assez importante parce que c'est elle aura un phare au sommet et c'est une tour défensive qui permet de protéger le château. Donc, forcément, dans ces fortifications, il y avait aussi un château mais qui sera détruit en 1421, puis reconstruit. Mais au final, il va devenir le logis du gouverneur au XVIIe siècle. Évidemment, il y a les remparts pour se protéger de potentiels ennemis, ça ça fait sens, mais aussi pour se protéger du vent. Et il représente 1640 mètres. Comme euh, dans le vlog culturel de La Rochelle, Egmort va traverser les guerres de religion qui opposent les protestants et les catholiques. Cette fois, la tour de Constance... Mais aussi d'autres tours vont devenir des prisons. Elles servaient euh, d'étape transitoire pour la déportation de protestants aux Antilles ou à la condamnation aux galères. Et par exemple, la tour de Constance, à partir de 1707, elle va être réservée aux femmes condamnées pour faits de religion qui sont malheureusement condamnées à perpétuité dans des conditions vraiment atroces. Et du coup, Aigues-Mortes va devenir l'une des places d'enfermement des protestants. Donc ça, c'était l'étape guerre de religion, mais au XIXe siècle, Aigues-Mortes fait partie du passé et son port n'est plus aussi rayonnant qu'avant, mais la ville va relever la tête grâce tout d'abord à sa production de vin et de sel, puis euh, son essor va vraiment renaître grâce au développement du tourisme balnéaire vers la fin du XIXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un petit peu pour l'histoire d'aigues Pour la visite des remparts, ça fait vraiment une belle balade avec un nombre incalculable de tours à escalader, visiter, etc. Il y a pas mal d'explications de partout tout au long des remparts et des tours sur des sujets quand même variés. Ce qui fait que, effectivement, parfois peut-être la chronologie est un petit peu euh, compliquée parce que par exemple sur un rempart tu peux passer de Oh, un peintre du 19 e qui s'inspire d'aigues dans ses peintures à euh, les guerres de religion dans la tour qui suit, à euh, Saint-Louis qui part en croisade. Donc c'est vrai que parfois euh, pour se remettre dans une chronologie, ça peut être un peu compliqué, mais il euh, y a quand même pas mal d'infos. Euh, ce qui est pas mal, c'est euh, qu'avant aussi de parcourir les remparts, t'as des salles de médiation dans le fameux, dans le fameux logis du gouverneur, euh, avec des films, des maquettes, des cartels qui t'introduisent clairement à l'histoire du lieu. Et aussi aux différentes personnalités euh, qui ont une histoire euh, dans, dans ce lieu, que ce soit par exemple des rois, des prisonniers, etc. Des histoires un peu, euh, je sais pas, de prisonniers qui s'échappent ou ce genre de choses. Il y avait aussi euh, une intervention contemporaine quand j'y suis allée, qui était Natura d'Eric Bourré. Mais j'avoue que c'était un peu inégal. Il y avait certaines œuvres qui s'intégraient bien dans le lieu, mais il y en avait d'autres qui avaient l'air un petit peu d'être juste... Posé là et qui faisait pas vraiment sens, donc j'avoue que je suis très très mitigée sur cette intervention. Euh, J'ai pas trop aimé, mais voilà, c'est un point de vue perso, donc peut-être que vous aimerez. Euh, pour finir avec la ville d'Aigues-Mortes, euh, je suis tombée sur une petite surprise en visitant l'église Notre-Dame des Sablons, qui est une église gothique potentiellement construite vers le milieu du XIIIe siècle. Évidemment, quand je rentre, je m'attends à une ambiance un peu ancienne, gothique, ce genre de choses. Et là, je regarde les vitraux qui sont hyper modernes, et je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que je découvre? Que c'est des vitraux de Claude Viala. Alors, peut-être que ça vous dit rien. Claude Viala, c'est l'un des membres de support surface. C'est, pour faire très court, très résumé, euh, voilà. C'est un mouvement artistique qui va remettre en question le support traditionnel. Pour eux, matériaux, gestes créatifs et œuvres finales, ça a la même valeur. Viala, lui, il va utiliser un seul motif qui va répéter comme le motif que, qui est ce motif que tu vois euh, sur les vitraux. Euh, vous connaissez peut-être un peu ce procédé avec Buren, qui au passage ne fait pas partie de support surface, mais euh, qui parfois peut être assimilé euh, à, à, leur à leur pratique. Donc voilà, j'étais assez surprise de trouver du Viala ici. Je, je, vraiment, je ne m'attendais pas à tomber sur un truc aussi moderne dans, dans cette église. Donc voilà pour ma petite surprise. Et euh, voilà pour Egmort aussi. Et on va finir par la dernière visite dans le Gard cette fois. Euh, c'est direction l'antiquité avec l'aqueduc romain le plus connu de France qui est le pont du Gard. Bonne nouvelle, l'accès au site est gratuit à part le parking qui est payant et la partie musée et expo est aussi payante, mais si vous voulez juste voir le pont et vous baigner dans le Gardon, c'est en accès libre, faut juste payer le parking. Euh, niveau histoire, il est construit au premier siècle par les Romains et est considéré comme le pont aqueduc le plus haut du monde, avec une hauteur de 49 mètres quand même. C'est aussi le seul exemple d'un pont antique à trois étages qui existe encore aujourd'hui. Donc, encore une fois, ajoutons du prestige à ce pont aqueduc. La question à se poser, c'est... Pourquoi il a été construit finalement euh, qu'est-ce qu qui a donné envie aux Romains de construire ce pont L'aqueduc sert à amener l'eau dans les villes et ici c'était pour la cité de Némosus, je prononce à la française désolée mais tu connais aussi le nom de cette cité comme étant la ville de Nîmes. La ville à cette époque, elle connaît un fort développement mais pour briller davantage, il lui faudrait son propre aqueduc. Grâce à l'eau, la ville va rayonner d'autant plus puisqu'elle peut alimenter ses fontaines, ses thermes et pour les plus riches, avoir l'eau courante. Tout cela va participer à la salubrité de la ville qui améliore son cadre de vie. Pour ce qui est de la partie musée, vous avez évidemment l'histoire du Pont du Gard et son évolution dans le temps, mais aussi l'histoire de l'eau et de ses technologies. La partie musée, elle est très sympa, notamment au niveau de la scénographie. Euh, tu vas avoir des bruitages d'eau, des bruitages de, euh, entre guillemets, euh, place du marché antique avec des bruits de, de gens qui blablatent, etc. Euh, franchement, niveau scénographie, c'est vraiment très très sympa. Et tu as quelques jeux interactifs où, euh, avec des petits quiz, etc. que j'ai évidemment adoré faire parce que j'ai trois ans d'âge mental. Euh, et sinon euh, il y a aussi une partie euh, exposition. Alors je t'avoue qu'au niveau des, des de l'exposition, je comprends enfin je sais pas pourquoi c'est cette exposition qui a été présentée là, je vois pas forcément le rapport avec euh, le lieu du pont du gard, etc. Mais euh, très sympa. C'est euh, une exposition de l'artiste Yasuhiro Chida Light as Space quand le transparent pénètre le tangible titre bien euh, comme je les aime, euh, un titre bien fantasmagorique, euh, très sympathique, mais euh, l'exposition en vrai était vraiment superbe. Accompagné par un agent d'accueil, on rentre euh, dans un espace plongé dans le noir, on a des fils qui sont tendus et un laser va les éclairer, ce qui permet de créer différents motifs et mouvements. C'est évidemment très immersif comme on est plongé dans le noir et en plus pour euh, certaines installations on peut circuler dedans, euh, ce qui euh, est vraiment très sympa, très reposant et très relaxant. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. C'était vraiment très très beau euh, à voir et euh, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ça sera sur cette expo que la vidéo se finit. J'espère vous avoir donné des idées de visite et vous en avoir appris peut-être un petit peu plus sur l'histoire dans cette région. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut